Mateusz, I would like to ask you, how is the economy of Poland since your country became, as we were told, democratic and independent? How, is this economy real and independent? L'économie de la Pologne est-elle vraiment indépendante avec le nouveau régime? There were different phases of the development of the Polish economy. First and foremost, we have to remember that Poland and the whole region of Central Europe as well is something which could be described like Immanuel Wallerstein did as a semi-peripheral region. Cemetery Pro. Semi-peripheral. Voilà, et donc en fait la Pologne et d'autres pays de l'Europe centrale peuvent être décrites comme dans, à moitié dans la périphérie par rapport aux grandes économies capitalistes de l'Europe de l'Ouest ou des États-Unis. La périphérie complète dans ce concept-là, ce sont les pays d'Afrique, d'Amérique latine, certains pays d'Asie, et donc l'idée est que quelque part, la Pologne et ces genres de pays sont devenus un statut entre les deux, à moitié tiers-monde et pas tout à fait. Yes, it comes very deep in the Polish history, but we won't go into the medieval ages and the beginnings of capitalism in the West. N'allons pas remonter au Moyen Âge et au début du capitalisme, mais rester dans l'époque contemporaine, oui. To say it very short, within the International Division of Labor, Poland was a kind of agrarian background for the West. Dans la division internationale du travail, la Pologne, c'est un peu l'arrière-jardin, la réserve agricole, alimentaire de l'Europe de l'Ouest. So the first endeavor to develop Poland and to industrialize Poland came only after the Second World War, and it was a project of the communists Et here. donc, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, qu'on a eu le projet d'industrialiser, pardon, la Pologne, et c'était un projet des communistes. Nevertheless, already in the 80s, as perhaps some of our older viewers remember, in 1981 exactly, we had a state of emergency in Poland and a kind of military coup. Mais déjà en 81, on a eu un état d'urgence et un genre de coup d'état militaire. It was the time when General Jaruzelski came to power in our country. And what is very interesting, but no one talks about it, is that in 1985, and this is an official information, this is not a kind of conspiracy Ce qui theory, est but intéressant avec Jaruzelski, c'est que même en 85, c'est pas, c'est une information officielle, c'est pas une théorie du complot, yes. so when Poland was still under the US sanctions, General Jaruzelski traveled to New York and met there in New York in 1985 with David Rockefeller. Ce qui est intéressant, c'est que le général Jaruzelski, alors que la Pologne se trouvait dans les années 80 sous les sanctions des États-Unis, a quand même voyagé à New York et a rencontré David Rockefeller, qui est donc, on peut dire, le capitaliste le plus influent à ce moment-là de l'économie des États-Unis et dans la politique. J'en ai parlé dans mon livre Les Sept Péchés d'Hugo Chavez. C'est le fondateur, le président du Council on Foreign Relations de Bilderberg. Et c'est un peu l'homme qui fait et défait les présidents aux États-Unis. So they meet. Yes, they met in 1985, and according to some witnesses of this meeting, they discussed the future shape of the Polish economy, which means that it was the beginning of the plan to impose Privatize. the, yes, to the, to, I would say to impose the so-called Washington Consensus. Et en fait, ils ont donc déjà dans ces années-là discuté quel allait être le statut, le rôle de l'économie polonaise. Et c'est basé sur le consensus de Washington, donc la politique économique internationale des États-Unis. So, you think it's starting from very soon, but indeed we have not much time. And I would like to ask you
What is the result of this new policy in Poland? I have here a graphic showing that for some people, Poland is good now because you have more and more billionaires in your country. Yes, of course. J'ai donc dit que, pardon, pour les francophones, les non-bilingues, j'ai donc dit que on en venait à l'économie maintenant, quelle est la situation de la Pologne, et que selon le graphique que je publie, il y a donc pour des Polonais pour qui ça va bien, beaucoup plus de millionnaires qu'avant. We are still following the Anglo-Saxon, let's say, neoliberal way of capitalism, of course. But just let me tell you a few about a few moments which were quite important for the current shape of the Polish economy. I will be very short. Je vais vous expliquer brièvement quelques moments clés pour l'économie polonaise. Yes. So there was privatization of the end of the 80s and all the 90s. Yes. On a déjà privatisé dans les années 90. But there's a big difference between Poland and post-Soviet republics because in Poland the privatization was a privatization which was beneficial to the international corporation and international financial sector, not to the national oligarchs like Ukraine. Il y a une différence avec l'ex-Union soviétique. Chez nous en Pologne, la privatisation n'a pas servi à former des oligarques, mais elle a servi les bénéfices directement du capital étranger, états-unien et européen. So, if you looked a few years ago at the official Forbes list of the richest people in Europe, you had the richest Ukrainian oligarch, Rinat Akhmetov, mm-hmm. on the eighth place, and the richest Polish oligarch, Jan Kulczyk, on the 208th place. Si vous regardez, il y a quelques années, le tableau des milliardaires, le premier Ukrainien était numéro 8 dans le tableau général, tandis que le premier Polonais se retrouvait seulement plus loin que la 200e place. So, Poland was not really with a strong oligarchy. What was the consequences for the population? Because we see here in Belgium, where I live, also in France, a lot of migrants. Je demande quelles sont les conséquences pour la situation financière de la population, parce que nous avons en France et en Belgique beaucoup d'immigrés. Les textes sont en polonais, mais je pense que mes lecteurs peuvent comprendre. On a donc 700 000 immigrés vers l'Allemagne, presque 700 000 vers la Grande-Bretagne, 125 000 en Hollande, 63 000 en France, 53 000 en Belgique. So, there are many migrants, which means there's much poverty now in Poland. Il y a plus de pauvreté en Pologne maintenant. Back in 2004, then Prime Minister of Poland, Social Democrat Leszek Miller, announced that we got rid of unemployment because we have sent several million of people to Western European countries. So this et was the donc, way to fight I'm translating. Et donc, le Premier ministre Miller, en 2004, a dit, voilà, nous avons éliminé le chômage parce que nous avons envoyé des millions de gens en Europe de l'Est, de l'Ouest, excusez-moi. And it was presented as a great success of the Polish Social Democratic government. Cette émigration, vous vous imaginez, a été présentée comme un grand succès de la politique gouvernementale. Can you give some concrete examples about the poverty and the situation of the ordinary people? We have about 13% of people, according to the newest data, which are living below the line of poverty for the moment. You said 13%. 13, right. 13% de la population, selon des statistiques US, sont sous le seuil de pauvreté, yes. But of course, the prospects are quite dark, I would say, because of the crisis, which is growing and growing, and which is, of course, connected to the Polish role
in the geopolitical context of the war in Mais bien Ukraine. entendu, les perspectives d'avenir sont encore plus sombres et c'est en partie à cause du rôle que la Pologne joue dans cette guerre en Ukraine.